Yo yo yo. Ouais, donc hier j'ai fait la route de la mort en vélo. Et puis bah ce matin je suis parti pour une excursion de 3 jours. Pour faire le fameux Uyuna Potosi. 6080, je sais plus, 6062. 6088 en haut. Et là on arrive au refuge ce midi là. Donc on va manger là. Et juste après on va s'acclimater, on va aller à un glacier. On va revenir, on va redormir là. Et puis demain faire d'autres trucs. Et puis après on ira à 1h du matin tout en haut pour voir le lever de soleil à 6h. Et après on rentrera à la passe. Et voilà, gros programme. Et là bah, je crois que c'est ma dernière clope des 3 jours. On a 4008 là au refuge. Moi je voulais faire, à l'origine je voulais faire l'Elimani. C'est à 6462 ou 6488, je sais plus. Mais il fallait que j'attende le dimanche de la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à vouloir le faire. Et le prix, soit je faisais avec l'Elimani. Là du coup je me suis engagé dans l'Uyuna Potosi, du coup je vais pas faire l'Elimani, fait chier. J'aurais bien fait, c'est sur 4 jours, tu dors dans des tentes et tout ça, mais c'est super cher, mais j'étais tenté quand même. Mais voilà. Et du coup je suis avec 5 Français et un Suisse, donc toujours pareil. Allez, courage. S'entraîner sur la paroi là-bas pour le prochain jour. Comme vous voyez, bah, c'est des glaciers quoi. Et moi, vu qu'on s'est entraîné au début pour marcher avec les crampons, je l'avais déjà fait au Chili, ils m'ont vu. Donc ils m'ont dit pour la pente, tu parais courageux toi, tu y vas en premier. Et sauf que j'entendais rien, du coup j'ai mal fait la première paroi. Donc après ils sont inspirés de moi et moi je l'ai refait après côté gauche où c'était beaucoup plus vertical. Vous allez voir les vidéos et c'était, je l'ai bien fait donc. Mais c'est super dur, t'es essoufflé de malade et tout. Voilà, c'est nickel, hein. Super beau. Ouais, c'est bon, on est arrivé au deuxième refuge. Il est 16h. Il est presque 16h là. On a mis 2h15. Après, ils ne sont pas encore arrivés. Hein. Je pratique. On est 3 guides pour 6 pour les cordées de ce soir, pour la nuit. Et du coup, moi je pratique les 2 guides et il reste un guide avec les autres. On est avec le Suisse, on est parti à 2 avec les 2 guides là. On pouvait voir la neige là. Ça sera par là-bas ce soir. Donc on va essayer de dormir entre 19h et ouais, entre 20h et 23h. Et à 23h30, petit déj. Et on repart pour de 1h à 6h du mat. Il faut arriver à 6h10 à peu près pour le lever de soleil en haut. Mais une fois qu'on sera en haut, on n'aura pas beaucoup de temps parce que c'est dangereux avec les avalanches, les orages et tout ça. Et on l'a fait là, on est au deuxième refuge. Et franchement, moi, j'ai galopé là avec les 2 guides là. J'ai fumé ce matin et tout. Et nickel. Après tout, l'air et tout. Et encore le boulard boy quoi. Mais... je suis content. Après, je suis le malin là, mais ça se trouve,
C'est moi qui aura des tours, ça me jouera des tours ce soir, donc le karma, attention. Deux batteries GoPro et au deuxième refuge, mes deux batteries étaient à 100% et assez vidées complètement quand je suis parti dans la nuit. Mais ils nous avaient prévenu. Hein. Donc du coup la deuxième, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai gardé près du corps pour en haut quoi. Donc du coup j'ai pas pu filmer le truc de nuit. Ouais. Donc du coup je commençais par ça. C'était cool déjà, mais sur la fin tu montes 45 degrés. Et du coup t'as avec le piolet et tout ça, faut mieux pas regarder derrière hein, parce que ça fout les chiasses, moi je vous le dis. Et avec le froid dans les doigts et dans les pieds, comme un con, moi je sais pas équipé, j'ai pas de chaussettes, j'ai que des petites soquettes. Mais quand je dis des petites soquettes, c'est des petites soquettes. Hein. Du coup, comme un blaireau, j'ai mis 4 soquettes du coup. Mais j'avais trop froid aux mains et aux pieds quoi. Et avec le piolet et tout ça là, putain, à un moment j'ai regardé ouais, derrière. Oh. Mais bon, putain d'expérience, vous nous avez pas dit qu'il fallait prendre le piolet comme ça, tout ça à la fin quoi. Et le plus, pleine lune, donc du coup c'était bien éclairé. Bah, fallait quand même une lampe torche, mais c'était pas très nécessaire. Mais conditions au top, pas de vent, pleine lune, mais par contre, ouais, il a neigé pendant le deuxième jour, la neige fraîche, du coup, bah c'était un peu plus dur pour monter quoi. Et puis, bah, une fois arrivé en bas, je vous l'ai dit, hein, tu peux pas rester. En plus, c'est une toute petite crête. C'est genre 30 personnes, 30-40 sur une petite crête. Il fallait que je change ma batterie GoPro, tout ça. J'avais les doigts gelés, j'arrivais même pas. Du coup, j'ai presque pas filmé. Il y a trop de monde et tout ça, c'est trop galère. Du coup, j'ai filmé un petit peu sur la descente, mais pas grand chose. Ça fait chier, mais. Mais ouais, c'était trop beau en haut, quoi. Mais. Ouais, voilà. Ouais, en gros, ouais, avec les avalanches, dès que le soleil se lève, bah, la neige elle commence à chauffer. Et là, bah, c'est trop dangereux pour les avalanches, le temps qu'on descende. Parce qu'après, ouais, bah, voilà, faut tout redescendre aussi au premier refuge. Et il y a du chemin, hein, je vous le dis. Donc c'était aussi crevant, enfin c'était très très crevant aussi. Parce que descendre, c'est pas évident. Faut marcher le corps en arrière et tout ça. Enfin moi, je vous raconte pas la vie. Mais super expérience. Ouais, ouais, incroyable quoi. 6088 mètres. Incroyable, mais franchement ça l'a fait pour le souffle, ça va franchement. Et dans le groupe tout le monde a réussi. De toute façon ils nous disaient que en général les Français ils y arrivent bien. Donc, par contre ils nous disaient des fois les Brésiliens, ils arrivent au premier refuge, ils se cassent. Voilà. Mais ouais, super expérience quoi. Mais ouais du coup ouais pour les cordées, c'est ça que j'avais peur avant. Après ça aurait pu être moi, mais t'as 3 guides pour 6, mais il suffit qu'il y en a un qui est pas bien. Bah les autres ils doivent rentrer avec le mec quoi.
Et là, tu l'as dans le cul, quoi. Mais après, ça aurait pu être moi, quoi. Et les autres, ils auraient pris. Ils auraient été vénères contre moi, quoi. Mais tout le monde a réussi. Donc, nickel. Donc, super content, quoi. Mais. Du coup, on était. Bah, quand on dit cordé, on était accordé, ouais. Mais. En fait, il nous disait faut toujours que la corde soit tendue, quoi. Histoire que le guide, il sente un peu s'il y a quelqu'un qui tombe, un truc comme ça, quoi. Mais franchement, on n'était jamais tendu. Je me disais, mais s'il y en a un qui tombe, mais. Le guide, tout ça, mais tout le monde dévale la pente, quoi. C'est un truc de malade. Hein. Tout le monde, ça descend, c'est trop pas sécurisé, en fait. Enfin, si, c'est sécurisé, mais enfin, je vais pas demander, mais en tout cas, je sais pas ce qu'il pourrait faire s'il sent quelqu'un qui tombe, quoi. Il peut pas. Enfin, bref.